Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un petit haul AliExpress. Et j'ai commandé deux toiles. Il y a plein de toiles super sympas sur AliExpress, mais il n'y a pas toutes les toiles qui sont bien converties. Du coup, quand je trouve des petites vendeurs comme ça, quand je vois que les toiles sont bien converties, du coup, je prends. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer parce que sur cette vendeur j'ai pris chaque toile c'est dans une autre magasin dans une autre sur une autre vendeur mais tous les deux sont bien convertis en tout cas d'où qu'est-ce que j'ai vu. On va regarder tout de suite ensemble pour voir s'ils sont bien ou pas et elles sont pas chères du tout et la livraison c'est ça qui m'a étonné, la livraison il est super rapide. À la base c'est marqué qu'on reçoit le produit au maximum 12 jours. Moi j'ai passé la commande le 22 novembre et j'ai reçu la commande aujourd'hui le 29 novembre. Donc c'est vraiment super vite la livraison. On va commencer tout de suite, on va commencer avec celui-là, c'est la petite. Celui-là, il était au prix à la base de 6,03 mais moi j'ai payé que 4,22. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai mis en panier et quand j'ai passé la commande, il est passé au prix de 4,22 €. Pas cher du tout, franchement pas cher du tout. Je vous montre tout de suite la toile et tout. C'est une toile imprimée bien sûr. Là j'ai pas une grande photo mais je veux essayer de vous mettre la photo aussi. Je vous montre ici juste comme ça, ça se voit très bien mais je veux essayer de vous mettre à l'écran aussi. C'est un très joli paysage. Et franchement, 4,22 €. Même à la base, le prix principal, il était à la base 6,03 €. C'était pas cher du tout. Du coup, là, on a combien de couleurs au total? Je vois qu'on a 30 couleurs au total. 30 couleurs au full stitch, ça veut dire des croix pleines. Après, demi-croix, le half stitch, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 couleurs qui sont en demi-croix. Deux couleurs pour le French Knot, ça veut dire le point nœud. Et quatre couleurs pour le backstitch, pour le point arrière. On a vraiment de tout sur cette toile, mais regardez-moi le patron. Comme il est très, 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 très bien imprimé, il n'y a pas de souci. On va avoir beaucoup de points nœuds ici sur les fleurs. En tout cas, cette toile, une fois finie, je pense que ça va être super sympa. Parce que déjà, tous les points nœuds qui sont ici dans les petites fleurs, ici où il y a toutes les petites fleurs, déjà ça va faire un effet super sympa. Plus le point arrière qui ça va donner tout l'effet sur la maison et tout. Je pense qu'il va être super sympa. Il est très bien imprimé. Bien lisible. Le patron, il est sur 4 pages. Si vous voulez le faire en point compté, c'est vraiment très 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 faisable parce qu'il est très bien imprimé et on voit très bien tous les symboles. Voilà pour le patron. Maintenant, on va passer à la toile. Waouh, 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 waouh. C'est ça que je voulais, des toiles qu'on a des jolis paysages, mais quand même qui restent bien imprimés, qu'on peut facile faire, qu'il n'y a pas trop de confetti et tout ça. Parce que j'aime bien faire des toiles de temps en temps qui ont du confetti aussi, mais pas beaucoup de confetti. Comme je vois beaucoup de personnes qui passent des commandes sur AliExpress ou même les partenariats, et ils reçoivent des toiles qui ont beaucoup beaucoup de confetti. Franchement, ça... ça prend beaucoup de temps à broder ça parce qu'il faut couper tout le temps le fil. Comme ça, quand c'est des toiles blocs, à ces blocs, quand même, on peut broder beaucoup, beaucoup plus facile parce qu'on met le fil et on finit le fil. Il n'y a pas besoin qu'on le coupe tous les 5 minutes. Là, on a deux aiguilles. C'est 11T. Toutes les deux toiles sont 11T. Et regardez-moi cette beauté de toile. Il est vraiment super. Sublime, 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 sublime. Déjà, tout l'arrière, tout cet côté, les nuages, l'arbre qui est là, tous les nuages qui sont là, le arbre ici, tout jusqu'à ici, c'est en demi-croix. Tout cet côté jusqu'à ici, c'est des demi-croix. Du coup, ça c'est beaucoup plus facile, plus vite, pardon. Plus facile aussi, mais plus vite aussi.
La maison, il est en point complet. Tout le gazon qui est là, il est en demi-croix. L'eau ici, il est en demi-croix. L'eau ici aussi, il est en demi-croix. Le pont, c'est croix complète. Mais tout cette côté ici, c'est en demi-croix. Et toutes les fleurs, c'est en croix complet et French note. Du coup, point neuf. Du coup, c'est une toile qui on peut avancer vraiment quand même assez vite. Et je pense que je veux commencer assez vite à travailler cette toile parce que j'aime beaucoup. Et quand je peux, j'en ai marre, entre guillemets, un peu de broder complet. En fait, je peux passer vite fait au demi-croix et ça, ça va vite. Au total, à broder, on a 44 sur 33. Sur 33, on a au total à broder. Super sympa, cette toile est franchement très, très, très bien imprimée. Je regarde, mais il n'y a pas du tout de décalage. On comprend très bien tous les symboles. Il n'y a pas de souci pour ça. Vraiment, on voit très bien tous les symboles. Le tabel, il est quand même un peu petit. Il est un peu petit imprimé. Mais on peut toujours se référer au patron. S'il y a des points qu'on ne comprend pas bien ici sur le tabel, on peut très bien regarder sur le patron. Sublime toile. Franchement, sublime. Pour le prix, rien à dire. Il est vraiment sublissime. Là, on a les fils. Waouh, que des jolies couleurs. Ah, on a 34 couleurs au total, pas 33. Pas 30. Oui, 34 parce que j'ai pas vu que le 31 et le 34, il est au French note. Et le 32 et 33, et il est que pour le half stitch. J'ai pas vu, du coup on a 34 couleurs au total. Je vous montre tout de suite les couleurs. Regardez-moi cette beauté. J'aime beaucoup les deux couleurs qui sont là. Les verts qui sont là sont super jolis. Super. Une très jolie toile avec des très 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 jolies couleurs. C'est clair que cette fournisseur, je veux regarder pour voir. Quand j'ai envie de prendre des toiles, je veux regarder sur cette fournisseur pour voir qu'est-ce qu'il a. Parce que franchement, il est très 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 bien imprimé et très bien fait la toile. En fait, on n'a pas de confetti. On va passer à 12e toile. Et celui-là, il était au prix de 10,66. Mais moi, j'ai payé que 7,34. Du coup, moins de 8 euros, moins de 7,50. Ça, c'est vraiment pas cher du tout. Il est en 7 toujours. Il fait une taille normalement de 48 sur 87. Il est en longueur. Et on va voir tout de suite la toile. Celui-là, il vient comme ça emballé. Et là, on a l'image. Chaque fois quand je reçois des toiles dans des pochettes comme ça, ou avec le papier rouge comme ça ici, c'est des toiles très 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 bien réalisées. Du coup, ça c'est génial. On a l'image. Voilà, on a sur un papier autocollant. Sublime. On a encore l'image ici sur le patron. Le patron, il est sur plusieurs pages. On a deux pages ici. Deux pages ici. Et deux pages ici. On a six au total. On voit très bien qu'il est très bien imprimé. Vraiment très 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 bien imprimé. Et on voit très bien qu'on n'a pas beaucoup de confetti. Sur cette toile, on a 46 couleurs. Et on a que du full stitch, des croix complets. On a au total 73 points sur 346 points. Voilà pour le patron. Et maintenant, on va regarder la toile. Waouh!
Waouh. Sublime. On va voir après les fils. Sublime, sublime, sublime. Ah, avec cette toile, j'ai un tout kit aussi. J'ai là le ciseau. Cet ciseau, par contre, il faut qu'on nettoie avant de le prendre parce qu'il a un peu de gras sur le ciseau. C'est exactement comme une huile, mais par contre, il coupe génial. Il coupe vraiment génial. Et à l'intérieur, j'ai 3, 7, 8. J'ai 8 aiguilles là, à côté du ciseau. J'espère que ça se voit. Là, j'ai 8 au total. Et j'ai encore 2 là. Du coup, j'ai 10 aiguilles au total avec cette toile. Et ça, c'est super. Parce que des fois, ça se passe que je casse les aiguilles. Cette toile, il est vraiment énorme, 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 énorme. Je ne peux pas vous montrer entière parce qu'il est énorme. Mais par contre, je veux regarder si il passe la taille avec... Oui, il prend la taille avec la marge aussi. Du coup, à broder, on a que 40,5. Sur, je veux regarder comme ça tout de suite. Hop, il est tellement grand que j'arrive pas à le mettre dans le cadre. Du coup, on a 50 jusqu'à ici. Et encore 30. Du coup, on est sur 80. Il est très, 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 très bien imprimé, franchement. Regardez-moi là. On a beaucoup de zones blocs. Ici, on a l'impression que c'est confetti, mais je vous montre que c'est pas du tout confetti. C'est pas du tout confetti, c'est vraiment des zones qu'on peut suivre facile. Mais on voit vraiment tous les détails. On voit la maison ici, on voit l'eau. On voit le pont ici. On voit vraiment tous les détails. Les fleurs. Et vraiment tout. Il est vraiment sublime cette toile. Je veux essayer de mettre la toile comme ça. Et je veux essayer de zoomer au maximum pour vous montrer un peu entière la toile. Je ne sais pas si j'arrive. Même comme ça. Oh, oui, maintenant il est entier la toile. Du coup, il commence là. Et il est jusqu'à ici. Il est presque entier. Du coup, on voit très bien qu'on voit vraiment tout le paysage. Vraiment tout le paysage. Et ça, c'est sublime. Je vous montre encore une fois le paysage là à côté. C'est celui-là. Et je vous montre comme ça. On voit vraiment tous les détails sur la toile. Ça, c'est génial. On va hop, revenir sur la terre. Et je veux emballer cette toile. C'est une toile qu'il va prendre longtemps à se faire parce qu'il est grande, mais il est sublime, 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 sublime. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis dans la période où j'adore toutes les toiles paysages. Du coup, j'ai pris plein, franchement. J'ai pris plein, on va avoir plein de hauls, mais c'est comme ça. On a les cartonnettes. Par contre, les cartonnettes comme ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que j'ai peur que les fils, ils peuvent sortir facile et ça j'aime pas trop, mais quand je veux commencer à travailler, je veux essayer de mettre sur une autre organisateur. Regardez-moi cette splendeur des couleurs, c'est vraiment magique, c'est vraiment magnifique. Il n'y a que des jolies couleurs, des couleurs super vives. Hop, je vous montre comme ça, un peu zoomé, comme ça on voit bien toutes les couleurs. Je trouve ça sublime, 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 sublime. Désolée pour les bruits, mais il y a mon petit bébé à la maison. Voilà, sublime. Et sur la deuxième cartonnette, toujours des magnifiques couleurs. Regardez-moi. Cette beauté de vert qu'il est là. On a plein de tonalités de vert différentes, mais qui s'approchent quand même beaucoup. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir des jolis dégradés. Je vous montre comme ça. Voilà, sublime. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous montre encore une fois les couleurs qui sont là, un peu plus près.
ça se voit à la caméra exactement les couleurs que j'ai devant moi. Du coup, c'est vraiment les vraies couleurs. C'est sublime, sublime, sublime. Voilà les filles pour cette toile aussi je trouve magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est tout pour le haul d'aujourd'hui. Je vous mets les liens dans la barre de description si vous voulez. Comme ça, si vous voulez prendre les toiles, vous pouvez les prendre. Et sinon, au moins, vous avez le lien du vendeur. C'est possible que vous pouvez sur la page du vendeur votre petit bonheur. Parce qu'il a plein, plein, plein d'étoiles. Et tout le temps, moi, je regarde pour voir s'il a des avis. S'il y a des personnes qui ont acheté déjà, parce qu'il y a pas mal de personnes qui mettent les photos avec l'étoile. Et comme ça, on voit si les toiles sont bien converties ou pas. Ou sinon, des fois, c'est même le vendeur qui met la photo avec la toile imprimée. Comme ça, on voit qu'il est bien imprimé. J'espère que ça vous aide, cette petite vidéo. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.